Son mec à moi, c'est celui qu'il me faut. Il est timide et si discret qu'on ne se voit presque jamais, c'est pas gagné. Mais en amour, c'est bien connu. J'ai une chance de cocu. Même qu'il va bientôt divorcer dès que ses gosses auront le mal. Si sa femme n'est plus cardiaque, épileptique et névrosée, alors bien sûr, je fais la gueule. Ça fait 10 ans qu'il me dit ça et je le crois. De 5 à 7, il est honnête. Il a même juré sur ma tête. Son mec à moi, c'est celui qu'il me faut. Sa femme à l'opéra, puis moi à l'apéro. J'ai très peur quelquefois qu'il soit un schizo. Son mec à moi, c'est celui qu'il me faut. Il a un yacht et 3 voitures, une villa sur la Côte d'Azur et 2 chalets. Mais pour ne pas me complexer, il me laisse toujours tout payer. Alors bien sûr je me bichonne, mais comme il est très possessif, j'ai plus d'amis, j'ai plus personne et je m'habille comme une quiche. Alors bien sûr je ferme ma gueule et je piétine ma dignité, il faut bien avouer. Ma dignité a aussi crevé l'envie d'être avec lui. Son mec à moi, c'est celui qu'il me faut. Pour le faire réviser ses devoirs conjugaux, il est tellement pressé qu'il repart au galop. Son mec à moi, c'est celui qu'il me faut. Il a tant d'imagination, mais quand il me donne un prénom, c'est jamais bon. Et ce soir, quand il m'a sorti, allez, pupus, on va au lit. J'ai regardé sur le sofa, sur le tapis, sur le salon. Et au cas où, c'était bien moi, la seule pupus dans le salon. Alors je lui ai cassé la gueule et j'en ai fait une œuvre d'art impressionniste qui croulera sous les rancards, mais uniquement chez le dentiste. Et puis c'est bien fait pour sa gueule, en route pour la déchetterie, l'homme de ma vie. Faut savoir être écologique avec un homme aussi toxique. Puis comme il est biodégradable, ben je l'ai biodégradé, je l'ai recyclé. Son mec à moi, quel seul gars, on ne peut pas se faire polluer quand on est une femme objet issue